Yo tout le monde, c'est Silver Gaming. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là en ce moment même vous pouvez voir que je suis sur Minecraft, notamment sur le serveur Snapcraft et aussi dans le lobby Earth Game. Mais aujourd'hui on va pas jouer à Minecraft, non. Aujourd'hui ce sera plutôt une vidéo où je vais vous expliquer 2-3 petites choses à propos de la chaîne. Donc déjà on commence à propos des jeux, donc déjà Minecraft, donc je ferai un petit peu moins de vidéos là-dessus. Voilà. C'est tout simplement parce que déjà, je me lasse un tout petit peu de Minecraft. Mais aussi, vu que j'ai eu un nouveau jeu, donc je vous expliquerai un petit peu après. Ce qui fait que je joue presque plus à Minecraft. Donc voilà, je pense qu'il y aura beaucoup moins de vidéos sur Minecraft. Après, sur Rainbow Six, il y en aura toujours, vous inquiétez pas ça. Voilà. Les jeux comme ça, je pense qu'il y en aura toujours. Et oui, sinon, comme nouveau jeu, il y aura CSGO. Donc, ceux qui connaissent pas et qui veulent aller voir sur Internet, c'est Counter-Strike Global Offensive. Mais bon, je pense que il doit y avoir une voire deux personnes qui connaissent pas, hein, ce jeu, parce que franchement il est c'est l'un des jeux les plus joués. Après, contrairement par exemple à League of Legends, hein, bon, ce jeu est un petit peu en dessous, mais bon, voilà. Je pense que les premières vidéos sur CSGO commenceront dans pas très longtemps, seront postées dans pas très longtemps. Voilà. Après, j'ai pas commencé à les faire, mais je vous avouerai que là je m'entraîne, je fais pas mal de kills. Après, il se peut que pendant les vidéos je fasse pas de kills, c'est normal, ou alors peut-être un petit peu, parce que c'est pas tous les jours qu'on fait des kills non plus. Voilà, par exemple, c'est pas comme par exemple avant-hier où j'ai eu le jeu. Je suis allé en compétitif dans la soirée. J'ai fait 32 kills. Non, là, je vais peut-être pas en faire. Et en plus, on commencera même pas par le compétitif. Non, on commencera par le plus simple. Par le match à mort. Et après, on remontera les modes. Voilà, on remontera les modes. Par exemple, après, on fera, je sais pas moi, du démolition, du occasionnel. Bon, là, il y a les joueurs un tout petit peu plus élevés qui y vont. Mais ça passe, quoi. Mais bon, je pense pas que les vidéos, je les ferai en solo. Enfin, il y en aura quelques-unes, genre peut-être les premières. Après, je dis bien peut-être. Parce qu'il se peut que je les fasse avec Blastfight, parce que lui aussi, il les a. Bon. Alors par contre, je vous avouerai directement que je suis pas chanceux du tout. Mais enfin, au niveau des games, hein, parce que à chaque game, par exemple, là, ça fait une bonne dizaine de games que j'ai faites, que j'ai fait, et j'ai toujours pas eu de caisse. Voilà, Blastfight, il en a au moins 3, plus quelques clés, et moi, j'en ai pas. Bon, j'espère qu'après, ça va... à chaque game, il va y en avoir masse, parce que là... peut-être pas à chaque game, mais toutes les, je sais pas, 3 games, un truc comme ça. Bon, après, certes, c'est long à voir, mais j'aurais peut-être... pu en avoir. Donc voilà pour le jeu CSGO. Donc je pense même tout à l'heure en faire une vidéo sur CSGO. Donc ça sera en match à mort. Je pense que je ferai 2 premières vidéos en match à mort, je pense. Et après le compétitif, j'en ferai pas pour l'instant. Voilà, parce que c'est vraiment chaud et ça dure pas mal de temps. Ça dure environ, allez, bon, de 35 minutes à 1 heure, allez. Facile. Enfin, peut-être pas 1 heure quand même, mais 35-45 minutes, quoi. Voilà, ça vous durerait ça parce qu'il y a 30 manches. À part si votre équipe met les 16 mois d'avance. Si votre équipe est nulle, que l'équipe adverse met 16 points d'avance, ça passe. Voilà pour CSGO. Donc oui, sinon on mettra bien sûr pas les joueurs en vocal, hein. Enfin voilà. Les joueurs, les mettre...
les entendre en vocal, c'est plus en mode compétitif. Ouais. Donc voilà pour CSGO. Donc sinon, il n'y aura pas de vidéo pendant 2 semaines. Donc c'est pour ça que là après je vais essayer de faire des vidéos sur sur CSGO, et en plus Blast Fight n'est pas là. Donc voilà. Dès qu'il peut faire une vidéo, bah bien sûr on la fera. Parce que il faut que je fasse un petit peu de vidéos quand même avant de partir en vacances. Voilà. Parce que... Enfin, imaginez quoi, pas de vidéo pendant environ 4 semaines. Alors que il y a 2 semaines, je suis pas en vacances. C'est un peu minable. Enfin voilà, non, je vais essayer de vous faire des vidéos avant de partir en vacances. Genre, si j'en ai au moins 3-4, ce sera pas mal. Même 2, un truc comme ça. Mais le moment que j'en ai à poster, ça passe. Donc en tout cas, là je pense que je vous ai tout expliqué, ouais. Et donc, bah moi je vous dis, écoutez, donc bye tout le monde. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc normalement ça sera sur CSGO, comme je viens de vous le dire. Parce que... j'ai hâte de faire des vidéos là-dessus, tout simplement parce que c'est un très bon jeu. Après, certes, il y a un petit peu de cheater, mais bon, c'est pas très grave. On jouera avec. Voilà. Bon. En tout cas, moi, je vous dis, écoutez, bye tout le monde. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, peut-être avec Blast Fight ou en solo. Peu importe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur CSGO. Bye.